Bah voilà, voilà, bah c'est putain, c'est un mieux. truc de fou. C'est un truc de baiser. Bah ça arrive, hein. Ta casquette? C'est pas grave, t'inquiète. Tu veux pas la mienne? Ça fait live soul. Non, je vais te la transpirer. C'est pas grave. Lâche, lâche, en plus on non. nous entend. Donne. Ça y est, j'ai la tête à l'endroit. Voilà, il Et la manquait. casquette à l'envers. Ça change. Ah, c'était un truc de barjo, j'ai pas compris, hein. Le téléphone il a pas bougé, mais ouais, ça voulait filmer à l'envers. Ouais, en plus, tout amateur que je suis, moi tout à l'heure j'ai coupé le premier live parce que je pensais qu'il fallait pas faire de bruit, mais si je peux faire du bruit, c'est juste de la vidéo en fait qui se passe et le son sera monté plus tard sur le clip. Donc, mais comme j'y connais rien, que je suis une big, bah, ça me dépasse moi ces trucs là. Donc voilà, bref, peu importe. Donc on va faire la taupe, moi je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Tu restes par là, Edgar, du coup. Ouais, donc voilà, il y a l'assistant qui surveille qu'on ne se fasse pas voler le matériel, on sait jamais hein, parce qu'on est en pleine, on est en pleine nature. Donc en plus je vais vous montrer en fait, voilà. Donc Edgar qui est en mode surveillance matérielle parce qu'il y a un peu de matos là, et on va aller faire les curieux du coup, parce que on va vous montrer comment ça se passe, un making of prime net. Pas sur ta droite au pire. Oui. Pas sur ta gauche. Mais parce qu'on voit pas le. Exact, vas-y, on va faire ça. Va tu vas passer sur ma droite, on va faire ça. Vas-y, on fait la même. Ok. C'était nickel. Ouais, nickel. Il faut juste repasser ça sur marche. La droite. Ça marche. Même je vais quand même partir de plus loin, comme ça, il y a aussi un plan où j'arrive, d'accord? Ouais. Et quand j'arrive, tu commences à. Pas de problème, je te tiens au courant dès que ça tourne. Quand ça tourne. Yes! Ça va, il est pas trop chiant le client Alonso, non? Non, ça va. Non, ça va. Tu maîtrises le matos? Ouais, ça passe. Non, pas parce que s'il est chiant, tu le dis, hein, t'inquiète. Ça pourrait être pire. Et il se prépare, il est chaud là. Il va faire croire sur son clip, il va faire croire qu'il a fait un footing de 10 km. Bon, en fait, c'est pas vrai, hein, c'est là quoi. Je t'ai pas gêné moi dans le plan On va faire des gros plans, tu vois, vraiment super. Donc voilà, là en fait on est sur le making of, les amis, c'est vraiment de l'exclu là, que c'est un truc tout nouveau. C'est pour ça que tout à l'heure je suis désolé, j'ai coupé le live parce que je savais pas du tout, et en fait il n'y a pas besoin du son, le son il est posé après sur le clip. Donc voilà, c'est vraiment préparatif de. Ouais, là je regarde, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Il a l'air satisfait en okay, tout cas. C'est pas mal. Maintenant on va refaire juste une, je voudrais que tu me fasses une poursuite quand même aussi. Ouais. Tu vois, jusqu'à qu'on la croise, juste pour voir. D'accord, ouais, mais tu voulais pas faire ça là-bas au niveau de l'arbre? Non, 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 ici. Tu veux ici. Faire ça ici? Ouais, enfin, là c'est l'intro, c'est vraiment, on présente les deux. Yes. Je veux dire, donc moi j'arrive d'un peu plus loin, tac tac. On la voit pas encore. Elle, ah. On la voit marcher toute seule, on me voit pas encore. Et ensuite il y a le croisement, tu vois ce que je veux dire? Okay. Je veux un peu plus de matière où je suis tout seul au tout début. De toute façon, ce que tu peux. Donc, ouais. Donc tu poursuis en plus, ça nous fait. Ça vous permet de voir comment ça se passe, les amis, hein. La préparation d'un clip musical, tout simplement. Avec. Pas elle. Après, on va faire vraiment les points de chacun, tu vois, là, on va. Voilà. Voilà. Et là, c'était pas trop vite, c'est bon, non, c'est pas mal. Parce qu'après, je vais ralentir les images. Hein. Parce qu'après, je peux ralentir aussi, tu sais, je vais faire des ralentis et tout, attention, parce que là, au montage. Ah, vas-y, bah, regarde. Bon, ça se passe, yes, ça se passe bien. Ça se passe bien, mec. Bon. Ça va déchirer. Et le cadre, il est vraiment magnifique, ouais, en tout c'est cas. C'est pas beau la Bretagne, hein, franchement. Hein, non, non, c'est. Non. Ah, c'est moche la Bretagne, ne venez pas. Non, non. Fait, c'est pas la Bretagne, c'est ouais. On est à Hawaï. On est toujours en Bretagne, on est à Hawaï. Bah oui. Comment je transpire ou quoi? Je crois que c'est la Bretagne. Ah oui, je vais ralentir. De toute façon, je vais ralentir. Surtout quand on aura les deux regards. Voilà, et il y a énormément de touristes. Hein. Vous voyez, tout le monde est serré les uns sur les autres. Hein. Ok, vas-y, on fait une petite poursuite. Et tu repars de là-bas, à peu près du niveau de Nîmes. Oui. Un petit peu plus loin, là.
près de là. Moi, je vais arriver en courant et on fait exactement la même chose. Tu vas passer à ma gauche, du coup, cette fois-ci. Gauche, ouais, tu vas passer à ma gauche comme on a fait exactement la même chose. Ici, là. Ouais, voilà. C'est voilà. La même chose, c'est qu'au moment où moi, je suis là. Tout en faisant toujours le sourire, ça. La même chose, c'est la même chose. Là, c'est comme si on allait faire un gros plan sur toi en ayant lui de dos. Voilà. Là, on l'a pris là, maintenant, on l'a pris là. Je t'ai pas gêné, moi, Alonso, quand je me suis calé là, ça allait. Non, sinon, je t'aurais poussé dans les orties. Il y a des gens qui passent, on fait appel dès qu'ils sont passés. Tu comprends et tu sais la partie C'est bien d'avoir l'envers du décor sur une préparation de clip, c'est quand même un truc de ouf. Hein. Alors excuse-moi Denis, ouais. Pour le live solo c'est cool, j'ai juste demandé de mettre sur le côté. Ouais, pour ça roule, ça marche. Je te remercie, c'est cool. Pas de soucis. Vous, ou là, ou ici, là, ouais, mais je vais me caler derrière Alonso. Là, c'est, bah voilà, très bien. Voilà. Ouais. Ça c'est juste avec le casque. Donc une poursuite mais assez près en fait. Ouais. Plutôt voilà, tu sais, hauteur semi-dos à peu près. Et du coup que moi je sois sur la droite de l'objectif plutôt, comme ça laisse le plan pour le croiser. Ouais. De toute façon je vais me mettre comme ça. Ok, tu me dis quand tu veux, je pars. Action. Bon, le début c'est normal, c'est le plan de contact. Ouais. Je me cache pour pas qu'on me voit. Je me cache pour pas qu'on me voit. Et puis je vais pas tout vous dévoiler non plus, hein, parce que sinon vous allez avoir... Après, quand vous voudrez voir l'après-making-of, bah, vous irez sur la page de Premnat et vous irez voir son clip. Heureusement qu'on n'entendra pas le son. Yeah, ah, il est joli celui-là. Je le kiffe, c'est bon, allez, dans la boîte. En fait, c'est bon, dans la boîte. Regarde, nickel. Mais je te dis, je vois rien du tout. Dans le son, c'est Dieu, c'est lui. Ah, mais c'est ça. Ok, ouais, que donc là, on va faire la même chose maintenant, mais plus près, plus serré, plus de zoom, en fait. Yes. Donc là, on va faire... du point de vue de Nandini, donc c'est à dire en gros c'est moi qui va passer, je vais regarder la caméra, je vais sourire à la caméra, tu vois ce que je veux dire, donc un plan assez serré, et après ce sera l'inverse, c'est toi qui va marcher, tu vas regarder la caméra, tu vas sourire, toi tu te remettras là, la caméra sera là forcément pour jouer le rôle, tu souriras comme ça. Salut Jean Mouloud. Là moi il va falloir que je me mette là, voilà. Parce que ta luminosité elle est ici, voilà. Au cas où j'ai pas tout lu, mais il y a l'article qui va sortir demain sur Denis et Live Solo. Donc demain, n'hésitez pas à aller dévaliser la presse pour choper le West France. Ce serait pas mal que ça soit pas un suivi, mais que je rentre dans le champ de vision. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, ils sont chauds pour tourner le clip avec toi. C'est quoi enfin les deux? Je préfère avoir plus de matière pour passer. Un où tu me suis, comme ça jusqu'à la fin, tu sais, je cours et je regarde, et t'as un. Et un autre où tu bouges pas, tu restes fixe, regarder l'horizon. Je rentre dans l'objectif. Donc on n'est pas nombreux sur le live, hein, mais pour ceux qui rejoignent le live, je vois Jean Mouloud, on est sur le making of d'un des clips d'un des titres de Premnat. Naturel. En pleine nature. On est loin, on a pris l'avion hier soir, on est bien crevé. Attends. Je suis tellement bien, je suis dans le clip, alors je souris déjà, tu sais. Ouais, j'en prendrai un, Marie, t'inquiète. Attention. C'est parti, ça tombe. On va faire un où je rentre après dans le champ de vision. Bah allez, je vais arrêter parce que je veux pas trop les emmerder. De toute façon, on ira sur un autre spot tout à l'heure, donc
On fera making of acte 1 et making of acte 2. Allez, je vais aller un peu avec Edgar. Bon, on n'est pas bien là, franchement. Je regrette juste de ne pas avoir pris la serviette, par contre. On va aller voir l'assistant si c'est pas endormi. S'il n'est pas parti avec le matériel. Ça va, l'assistant? J'aurais dû te laisser le portable, t'aurais pu suivre ce qui se passe en direct. Bah, j'ai essayé tout à l'heure, là, comme technique, ça capte pas trop ici. Ah. D'accord. Sur mon téléphone. Donc, Mr. Edgar, Life Solo Junior, ouais. Assistant pendant ses vacances, l'exploitation de la jeunesse, ce qui ouais. est tout à fait normal d'ailleurs. Même pas payé, rien du non, tout. Non, rien du tout. Peut-être bénévole. Je te ferai un sandwich demain midi si t'es sage. Un jambon beurre. Yes. Ok. Ouais. Ah, déjà le truc que je comprends pas c'est ça, je sais même pas. C'est celui-là qui a montré plusieurs fois ça en plus aussi. En plus t'as pas changé de maillot depuis hier, Edgar, c'est quoi ce délire? Je porte 3 jours, les vêtements d'atelier. Il y a encore demain. C'est pas Ah, il y a du passage quand même. Hein. Bonjour. Bonjour. Pas facile de faire un clip, hein, jeune homme, quand il y a du monde qui passe. Hein. C'est limité à 50 en plus. Allez, moi je me casse. Hop là. Bon bah écoutez, même tout à l'heure je suis parti à l'arrache. Franchement les deux premiers lives que j'ai fait, ils étaient un peu pourris, mais c'est pas grave. Enfin surtout le premier, le deuxième, je vais le dégager. Voilà. Bon bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour le. Je me retrouve tout à l'heure pour le deuxième spot. Deuxième spot making of. C'est où déjà le prochain spot déjà? La roche percée, c'est ça? On va vraiment faire ce qu'on vient de faire là. Donc tout à l'heure, on sera sur un nouveau spot qui s'appelle la roche percée. Voilà. Bon, là, en fait, on est en Finistère, Bretagne. C'est vraiment top. Hein. J'espère que vous kiffez. Enfin, ça fait comme hier avec la musique. Hein. Vaut mieux être directement sur place que d'y voir à travers l'écran, en tout cas. Voilà, voilou. Bon, allez. Zou. On va essayer de partir correctement. Hop là. Attention derrière lui. Allez derrière lui s'il vous plaît. C'est plus simple. Là elle est pas en vision. Viens, viens, du coup, redonne le lien de ta page, toi aussi, du coup. Alors, moi, ma page, c'est Nandini Grace. Et je vous partagerai le lien plus tard, elle me le donnera et je vous le partagerai. Ah oui, voilà. Merci. T'inquiète. Bon, allez, les amis, je vous dis bisous, je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite du making-of, sur un autre spot. Allez, bisous, à tout à l'heure.